Aujourd'hui, estoy, je suis là avec Bianca et on vient de réussir à être invité à la foire de Chalon, là où j'aurais pu par la suite dans le futur quand la quatrième dimension existera pour de vrai, présenter Kungbol en matière première avec des matières premières, vous savez, si on prenait des matières premières, des vraies matières premières pour réaliser un Kungbol avec du vrai cuir, avec de la vraie matière à l'intérieur, avec des vrais systèmes de réglage, des vrais rivets et tout ça, je risquerais de me faire les précurseurs de certains arts martiaux risqueraient de vouloir m'assassiner au cas où j'aurais dépassé leur crétin de base. Enfin, je me comprends, il y a des crétins dans toutes les catégories. Et en tant qu'art martialiste, je respecte les arts martiaux, donc je ne vais pas parler mal. Mais arrive à un moment donné, moi-même, El Progresso. Je remercie les personnes qui m'ont invité à la foire de Chalon à aujourd'hui, toutes les personnes qui ont participé également et qui participent aux investigations de Chopage Kung Fu positivement. Les autres, je vais les inviter à faire comme si nous n'existions plus, avec Petit Lu qui est là. Petit Lu, vous connaissez ou pas? Donc, comme je serai probablement décédé ou je me ferai assassiner par le Wu, avant d'avoir réalisé mes vrais Kungbol en matière première avec des vrais systèmes de remise à niveau .0.com, quelqu'un le fera à ma place, très certainement, quand je serai décédé. Il y a des gens qui m'avaient dit ça, des choses, des gens mal encastrés qui disent que les choses se vendent mieux quand elles sont décédées et que les bénéfices des plus grosses carottes se font sur des gens qui avaient un certain talent, ce qu'on appelle des virtuoses ou des prodiges, et quand ils sont décédés, faire un maximum de bif dessus. Donc voilà, donc je vais rentrer dans la foire. Je suis contente hein, quand même parce que j'ai tenté ma chance pour pouvoir rentrer gratuit. Kungbol dans la place. We are here. So, estamos aquí. Je rentre dans la foire.